Paraclet de Dieu, nous te louons, nous te magnifions. Saint-Esprit, encore en ce matin, avec ferme conviction et l'assurance en toutes choses, nous savons véritablement que tu as fait demeure en tout un chacun de nous. Nous savons que tu as fait demeure dans nos maisons. Nous savons que tu as fait demeure dans ton église, que tu es revenu encore ravivé, que tu es venu encore renouvelé. Nous savons également, Saint-Esprit, que tu es descendu encore en cette Pentecôte pour faire du bien à tout un chacun de nous, pour redonner à nos âmes, à nos cœurs, un nouveau parfum et une nouvelle confiance aux choses d'en haut. Voilà pourquoi en ce matin, bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur de nos âmes et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie. Alors en ce matin, quoi de mieux que de louer, de célébrer et de magnifier ce Saint-Esprit que nous avons reçu à la Pentecôte. Lui dit tout simplement, Paraclet de Dieu, viens encore. Viens et règne dans nos vies. Viens et siège dans nos cœurs. Viens et siège dans nos pensées. Viens et siège dans nos maisons, dans nos foyers et dans tous les domaines et compartiments de nos vies. Il convient parce qu'il mérite même adoration et même louange que le Père et le Fils. Voilà pourquoi en ce matin, de là où tu es, de vos différentes positions, que vous puissiez de manière très libérale et de manière vraiment très décontractée pouvoir louer le Saint-Esprit, pouvoir élever vraiment ce qu'il est et ce qu'il représente dans chacune de nos vies. Amen. Régner au sein de ton foyer. Que l'Esprit de Dieu vienne encore régner dans tous les domaines et aspects de ta vie. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé. Tu es élevé. Règne, règne, règne dans ma vie, Esprit de Dieu. Règne, 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 dans mon cœur, Esprit de Dieu. Règne, 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 dans mon âme, Esprit de Dieu. Règne, 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 dans mon cœur, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Sois honoré en ce matin, Paraclet de Dieu. Sois élevé en ce matin, toi la Shekinah. Sois magnifié en ce matin, toi le divin feu de nos vies. Sois magnifié en ce matin, toi le consolateur de nos âmes. Sois loué en ce matin, toi qui nous fortifie. Sois loué en ce matin, toi qui es descendu encore pour nous faire du bien. Sois célébré, Paraclet de Dieu. Reçois notre louange montée vers toi en ce matin.
et viens emplir encore, viens inonder encore, viens nous embraser encore de ton divin feu, Saint-Esprit. Tu l'invites encore à régner dans ce que tu veux, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tes affaires, que ce soit pour tes enfants. Tu l'invites encore. C'est bien au-delà d'un chant que tu lui dis. Règne, règne, règne. Règne, règne, règne. Règne, règne, règne. Et j'entends cette voix qui dit règne dans la vie de mes enfants. Règne dans les études de mes enfants. Règne encore dans la vie de mon époux. Règne encore dans la vie de ma mère. Règne encore dans la vie de mon épouse. Règne encore, paraclet de Dieu. Viens encore embraser de ton divin feu. Règne, règne, règne. Règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Bien-aimé de Dieu, continue encore de louer et de magnifier le paraclet de Dieu que tu as reçu. Sois convaincu de cela. Sois convaincu que tu l'as véritablement reçu. Et sois encore dans une autre dimension avec lui. Sois dans une autre expérience avec lui. Qu'il te donne véritablement de voir et de pouvoir toucher le surnaturel de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, paraclet de Dieu encore en ce matin, sois loué et sois célébré et magnifié. Toi, la troisième personne de la Sainte Trinité. Et c'est dans cette atmosphère de louange au Saint-Esprit que je te souhaite véritablement de passer une excellente et sainte journée dans sa présence. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.